Docteur Maclaude, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Il se trouve que tu es artiste médium au Cercle Allan Kardec et que durant le forum qui est prévu normalement les 30 et 31 mars à Maxéville près de Nancy, il y aura également une exposition d'art médiumnique sur ces deux jours. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'art médiumnique ? Oui, l'art médiumnique. C'est le moyen pour l'esprit de se manifester parmi d'autres possibilités. Il y a l'écriture, il y a le Ouija, il y a l'incorporation, mais il y a aussi l'art médiumnique. L'art médiumnique englobe la poésie, la musique, la sculpture, la peinture. Les esprits ont envie, ont une nécessité de se manifester, prouver que la vie existe après la mort. Donc, ils utilisent tous les moyens. Et l'art médiumnique en fait partie. Alors, nous avons la peinture, la sculpture, la poésie, la musique. Voilà, donc, tous ces moyens pour interpeller l'humain. C'est donc les esprits, en fait, arrivent à créer à travers des médiums. Est-ce que ce sont toujours des esprits qui étaient artistes de leur vivant ou pas forcément ? Non, pas forcément. Il n'y a pas que les artistes qui se manifestent. Il peut y avoir votre mère, votre père, qui désire vous donner un message. Un message qui va atteindre votre cœur, par l'image, par la sculpture, par la poésie, par la musique. Il y a différents moyens pour l'esprit de pouvoir se manifester et d'apporter un message de leur vie post-mortem. Puisque toi-même tu es artiste médium, hein, comme je l'ai dit dans le Cercle Allan Kardec, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu as l'habitude de travailler et en même temps depuis combien de temps tu es artiste médium ? Alors, les débuts. Les débuts étaient en 1995, où l'esprit est venu en écriture via un intermédiaire qui est Michel Pontin. Médium, en écriture, il est venu me proposer cette mission, enfin une mission, me révéler ce possible de recevoir en art, seulement en art, pour moi, pas en écriture, pas en incorporation, en art. Tu as reçu donc cette révélation, en quelque sorte, dans un message au cours d'une séance, où tu as appris que tu avais un potentiel médiumnique dans l'art, et donc tu as commencé à travailler, alors je suppose que tu as commencé par un art particulier, alors est-ce que c'était la peinture, est-ce que c'était la sculpture, tu as commencé par quoi ? Alors, ça a été dans un premier temps la sculpture. La sculpture. Et après, la peinture. D'accord. Par la suite. Mes débuts ont été déjà, dans un premier temps, ce que je voulais dire quand même, malgré tout, c'est qu'il faut le travail. Il faut le travail pour pouvoir déjà s'oublier soi-même, oublier les pensées du quotidien, être en lien avec l'esprit qui est là, qui a envie de se manifester par... ou la sculpture ou la peinture, il nous environne. Et il nous insuffle cette image, une image, que ce soit en sculpture ou en peinture, une image qui persiste mentalement, elle est là. C'est comme une inspiration en fait. Sauf qu'on connaît l'origine de l'inspiration. C'est une inspiration via l'esprit, vient de l'esprit. D'accord. Donc, on se laisse aller, une musique douce, on essaye de s'oublier soi-même. Ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple dans un premier temps, parce qu'il faut le travail pour ça. Donc, dans un premier temps, ça va être des ébauches. Ça ne sera pas vraiment parfait. Dans le dessin, dans ce que l'on a en tête, l'image que l'on a en tête ou la forme que l'on a en tête, ce ne sera pas parfait puisqu'il va falloir le temps du travail, d'amadouer déjà les pinceaux,
pour les personnes qui n'ont pas appris à peindre ou à sculpter, ce qui est mon cas. D'accord. Il faut le temps pour tout ça. Donc tu vas percevoir, tu vas avoir une inspiration insistante qui va Oui. revenir. Alors après, que ce soit en sculpture ou en peinture, comme tu l'as dit, toi, tu vas tenter de reproduire en fait ce que tu as capté et tu vas essayer finalement de créer ce que l'esprit souhaite créer à travers toi. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et tous ces messages, parce que pour moi, ça reste des messages Oui. colorés ou en forme, ces messages doivent interpeller quelque part l'humain, en sachant d'où il provient. D'où proviennent ces sculptures, d'où proviennent ces peintures, ou la poésie, ou la musique. Alors, on peut étendre plus loin. Tu as la peinture médiumnique, où là, ben, le médium va peindre ce qu'il a reçu. La sculpture médiumnique, où là, il va donner La forme. forme à ce qu'il a reçu. La poésie, donc ça veut dire qu'il va recevoir des poèmes qu'il va écrire. Et en musique également, il peut recevoir des compositions musicales. Oui, alors je vais reprendre la poésie. La poésie, les mots s'additionnent. Le poète, enfin, le médium poète va recevoir des mots, un sens, un thème, et va retraduire par les mots le désir de l'esprit. En musique, c'est pareil. Il y a la mélodie qui va s'installer, qui va l'envahir, qui va. Et il va créer les accords aussi pour aller plus loin et composer. Il y a d'autres artistes en dehors de notre cercle, il y a d'autres artistes médiums qui reçoivent des peintures au Brésil ou ailleurs. Tout ça, c'est pour nous interpeller. L'esprit est là derrière cette vitre et nous invite à prendre connaissance de leur vie après la mort. Et toute la philosophie qui va derrière. Et comme tu l'as déjà très bien dit au début, c'est des œuvres, mais Oui. ça reste en même temps des messages. Des messages, oui. Et ces messages, les esprits espèrent que ça atteigne votre cœur. On dit avoir un coup de cœur pour un tableau, on dit Oui. avoir un coup de cœur pour une sculpture. Coup de cœur, c'est quoi? Le Oui, c'est sentiment, vrai. l'amour? Et les esprits espèrent en l'homme et la femme. Durant ce forum, il va y avoir une exposition, comme je l'ai dit, hein, durant les 2 jours. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'œuvre les gens vont pouvoir retrouver durant cette exposition? Quel type d'œuvre? Il n'y a pas de style bien défini pour l'art médiumnique, puisque l'inspiration vient de l'esprit. Les esprits peuvent avoir un style classique, un style contemporain. Donc il y a différents styles. On ne retrouvera pas ou la patte d'un artiste peintre qui a vécu dans cette vie. On va retrouver, ils ont envie de créer autre chose pour les artistes. Après, nous avons un père, une mère, un guide qui peut venir créer une œuvre, avoir une intention, un geste, un sentiment pour l'un ou l'autre spirit dans notre cercle. D'accord. Donc en fait, on va retrouver à la fois peut-être des artistes connus qui profitent d'un médium pour perpétrer leur art en quelque sorte, et en même temps, on peut trouver en fait des personnes lambda qui Oui. ont vécu et puis qui ont décidé de Oui. créer une œuvre pour quelqu'un, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, mais pour les artistes connus dans cette vie, ils n'auront peut-être pas forcément le même type d'œuvre qu'ils ont créé lors de leur vivant. Peut-être que tu le sais déjà, même si on est à quelques semaines du forum, mais il y aura combien d'œuvres à peu près dans cette exposition? Alors, cette exposition, il y aura un petit peu plus d'une centaine d'œuvres. Quand même. Oui. Alors, qui comprend la sculpture, Oui. ça peut être de la terre glaise, Oui. du plexiglas, Oui. du bois, du granit,
Et en peinture, différentes œuvres réalisées en peinture à l'huile, à Oui. l'acrylique, des aquarelles. Donc tout un panel, et je veux dire le panel de l'esprit, D'accord. le panel de l'au-delà. Oui, donc une centaine d'œuvres, c'est quand même, on peut dire que c'est quand même une grosse exposition. Oui, c'est une grosse exposition, mais dans notre cercle, il y a plus de 100 œuvres qui ont été reçues sur ces 40 années, 40 années d'existence de ce cercle. Il y a eu des peintres, des sculpteurs dans ce cercle au début. Donc, on peut dire qu'il y a 1000 œuvres Oui, qui sont parce passées que. en message de l'esprit. L'esprit a pu intervenir chez nous et ailleurs aussi, hein. Il n'y a pas que chez nous, mais a pu laisser un témoignage pictural, sculpture, poésie, à volonté depuis 40 ans. J'ai une question d'ailleurs à ce sujet, puisque tu as parlé de sculpture en bois. Alors, la sculpture qui est à côté de toi, Oui. c'est toi qui l'a reçue, hein, d'un esprit? Oui. Alors oui, je l'ai reçue d'un esprit. Elle est en buis et en cuir d'agneau. Voilà, cuir d'agneau. Et les tableaux, alors donc tous les tableaux qui sont derrière également, c'est des œuvres que tu as reçues Oui. d'esprits qui ont voulu se manifester par l'art. Oui, dans différents styles. Nous avons une plume qui peut correspondre à l'écriture, des notes de musique avec la musique astrale. La nature qui est, je veux dire, qui est chère à Allan Kardec. Lors de nos séances, il remercie la nature. Il remercie Dieu de cette nature. Plus moderne, avec différentes couleurs. En fait, ça correspond à l'esprit, à ce que désire l'esprit laisser comme témoignage de leur survivance dans tous les styles possibles. Alors, d'ailleurs. Et je vais rajouter, il est bien que nous sommes là pour, nous sommes les outils seulement, les outils qui recréent, suivant nos capacités aussi, hein, tout en, qui recréent l'image perçue. On doit être, quelque part, en tant qu'intermédiaire, médium artiste, ouvert à tout pour laisser libre l'esprit. Et notre conviction est tellement forte que c'est un plaisir de travailler avec eux. Oui, on le sent d'ailleurs quand tu parles tout à l'heure de cette proximité qui se crée avec l'esprit au moment où tu te mets en condition Oui. pour travailler. Oui. La musique classique. Se détendre, ne plus penser au quotidien, mais penser à l'esprit qui est là. Qui est là, qui nous attend. Qui nous attend, donc on se met en lien ensemble. C'est un rendez-vous amoureux. On peut être fébrile au départ, et c'est tellement beau de pouvoir retraduire leur message. En tout cas, ça donne vraiment envie. Et je sais que donc il existe une page Facebook dédiée Oui. en fait à l'art médiumnique Oui. qui est reçue dans le cercle Oui. Allan Kardec. Peut-être est-ce que tu as envie de dire un mot à ces personnes qui te suivent Oui, sur cette page? sur cette page, oui, je remercie toutes ces personnes qui aiment cette page, qui nous suivent. Suivant les expositions, il y a une présentation des expositions qu'il peut y avoir dans la France. Et je les remercie de lire les articles. Et s'ils veulent en savoir un peu plus sur cette philosophie qui apporte beaucoup, tous ces messages sont là pour ça, interpeller l'humain. S'ils veulent en savoir un peu plus, allez sur spiritisme.com, avoir des réponses à leurs questions ou par curiosité. Je remercie vraiment beaucoup
les gens qui nous suivent sur Facebook. Et j'espère les voir au forum de visu et pouvoir discuter ensemble. Alors justement, est-ce que ces personnes pourront t'interpeller durant le forum pour te poser des questions, discuter Mais tout simplement sûr. Avec toi? Mais bien sûr, oui, volontiers, volontiers, avec plaisir. Eh bien écoute, Peter, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Les gens vont pouvoir peut-être mieux comprendre ce qu'ils vont trouver durant ce forum. Et donc je te dis au 30 et 31 mars, puisqu'on se retrouvera sur ces deux jours dédiés à ce forum sur le spiritisme. Merci beaucoup, Peter. Je vous en prie, mademoiselle.